Bonjour à tous et bienvenue sur The Dutch Farmer. Donc voilà, je démarre une petite série, les amis, qui s'appelle The Dutch Farmer. Je l'avais faite sur le 19 et donc je la redémarre sur le 22 et sur ma map, bien sûr. Donc je vous retrouve tout de suite après la petite intro qui va bien pour la présentation de la ferme. À tout à l'heure, les amis. Voici de retour pour la présentation de la ferme. Donc, The Dutch Farmer, qui veut dire beaucoup de Dutch. Voilà le premier, le plus vieux du tracteur, le 6206. Le tracteur boutique Dutch. Boutique qui avait plus petite. Mais bon, j'ai pas trouvé. Le semoir-semi en grès, bien sûr. Le plus gros des tracteurs, la série 8. Avec sa benne Sunnybag. Là, c'est pour faire les big bags, un mode que mon Damien m'a fait. Nickel. Boom, avec sa petite rampe pour mettre dedans, bien sûr. Alors, je vous parle des big bags de chaud, des big bags d'engrais, des big bags de semences. Donc, ça va me servir surtout pour faire les big bags de chaud et les big bags de semences. Le petit concasseur de pierre en mode que j'ai trouvé sur le mode up, bien sûr, pour faire de la chaux. Donc on va mettre ça en route, on verra si ça marche bien. Donc le télesco est ici Dutz, hein, voilà Dutz là. Le petit merde, le 461 Dutz avec la petite remorque qui va bien. Et vieille, il faudra que je change un jour, mais bon, voilà, je peux l'argent. La charrue qui va derrière le série 8, bien sûr. La petite serre qui va bien, serre du seigneur. Ici, on a le petit stockage de compléments minéral. Le petit stockage d'herbicides. Ici, le petit rouleau, le broyeur, le culti couleur Dutz. Là, je vais prendre la place. Là, je sais pas ce que je mettrai, peut-être des big bags, mais les tels, je sais pas, on verra. Le petit semoir Amazon du seigneur et le petit semoir une à maïs pour le sol. Et voilà. Et j'en passe. Les verts c'est des meilleurs. Le bunker pour l'ensilage. J'en ai gardé un. Là, c'est pour fabriquer mes semences. Pour l'instant, il n'y a rien. Je débute la série. Mon petit épandeur à fumier Sunnymax 3400. L'épandeur à lisier. Le petit stockage de bottes ici. Ah, vous savez tout ça. Vous avez vu, j'ai commencé à faire de la paille. J'ai fait de la paille parce que bon, sur cette série-là, j'ai la ferme des vaches et la ferme des cochons. Vous
plastons les cochons, je ne comprends rien pour le moment, juste que des balles, on fera avec ça. Après, le petit fondeur, le pulvé. Donc, on va passer par là. Là, j'ai le hangar pour ranger la moissonneuse, bien sûr. Qui est rendu dans un champ. Il manque une seule chose, c'est que je n'ai pas acheté ma voiture. Et que je l'achète. Donc, là, l'atelier de réparation, je vais le faire. Là, les fondeurs à chaud Amazon. Ici, c'est pour le coin, donc voilà, c'est pour mettre derrière le circuit, donc vraiment le matériel. Ici, du vide. Ici, à l'intérieur, c'est du vide aussi. Et ça, c'est pour le stockage de choux et de semences, je pense, que je vais tout mettre dans ce endroit-là. Ici, le mélangeur, bien sûr. La pirouette. Et l'endémeur, pas du bon matériel. Ici, j'ai mis le silo pour l'engrais. En plus, j'ai installé la station de lavage ici. Ça va très bien. Bon, là, c'est la bulle que vous connaissez. Et je crois que j'ai fait le tour de la fin, je pense, oui. On va filer dans le... Non, on va aller... Là, j'ai monté le C8. Il monte la moissonneuse. C'est la moissonneuse pour ce soir. C'est pour ma pousse. Je ne sais pas s'il manque quelque chose, mais il y a des chances que... C'est bien possible. Donc, j'ai acheté quelques champs. Et ben là, on va aller... J'ai mis la petite baraque là pour... ouvriers intelligents. Hein, je ne sais pas si ça marche vraiment, mais on verra. Normalement, d'après mes tests, ça marche. J'ai acheté quelques champs. Hein, on voit là un lin que j'ai moissonné. Dans l'espace commentaire, vous allez me dire si vous voulez que je fasse en mode saison. Pour l'instant, j'ai acheté tous les champs. Je vais tous les récolter. Je vais faire... je vais acheter les animaux. Je vais... comment faire tous mes stockages et après vous me dites si vous voulez que comment je passe en mode saison ou quoi, c'est à vous de me le dire. Bien sûr, le nombre de pouces me donnera un peu de capital, qui fait qu'au nombre de 10 pouces ça sera 1000 euros si vous êtes d'accord. Là c'est pour m'aider un peu. Et donc là, on va les presser. J'aurais pu amener tout le matos ici. Donc on a tout ce champ-là à presser aussi. On a ce champ-là sur pot à récolter. Et on a celui qui est à côté de la ferme des cochons, où est la moissonneuse est rendue, qui est à récolter aussi, vous voyez. Donc c'est une petite vidéo de présentation. Et après, on va faire un petit chantier de balles. Hein, les amis. Et ben, voilà, quoi. On va aller jusqu'à la moissonneuse quand même. Donc la ferme là m'appartient. Pour l'instant, il n'y a rien du tout dedans. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien du tout. On verra par la suite pour l'améliorer. Il faudra que je fasse du pognon. Donc voilà. J'ai mis le personnage à la troisième personne. J'espère que vous aimez. J'ai enlevé la caméra. Parce que, bon, vous me connaissez, donc vous n'avez pas besoin de la caméra. Je la remettrai peut-être après, dans les prochains épisodes plutôt. Donc voilà, la moissonneuse est ici. C'est bien sûr, c'est une de Spar aussi. Hein, vous avez vu, elle est un peu sale à travailler. Donc on va récolter, je pense, soit en off ou dans la prochaine vidéo. Je sais pas, on verra. Je pense que ça va être en off. Et du coup, maintenant, on va les presser. Et on... Bon, je vais sans doute faire un petit accéléré, hein, un pressage. On va démarrer ensemble et puis je ferai un accéléré. Après, on ramènera le manuscopique et la remorque à balle. Et on fera peut-être un accéléré aussi après. Et entre-temps, entre deux accélérés, je vais vous parler quand même. Donc voilà. Voilà pour le principe. Donc, deux de swarm, beaucoup de matériel de swarm.
Si vous en avez que je n'ai pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis preneur, bien sûr, essentiel. Bon, la prêche, j'ai pris une Massey Ferguson. Hein, parce que, bon, bah voilà, elle a le retournement des balles, tout ça. J'ai décidé aussi pour l'enrubanage de mettre des pinces. Ça sera peut-être mieux. Et là, que, voilà, on est démarré. On va reculer un peu. On va déplier la bête. Elle se déplie. On va l'activer. C'est bon, on baisse. Voilà. Et on est parti. Par contre, voilà, le problème, c'est que je n'ai pas la TH. Oula, j'ai entendu comme un bruit. Ah ouais. Ah bah ça va, j'ai le son. J'ai pas l'image, mais j'ai le son. Bon oui, c'est vrai que j'ai déjà fait un champ de pressage, donc voilà. Je ne me rappelais plus. Ben, le problème, c'est que voilà, je vais pas savoir quand est-ce qu'on arrête. Bon, ça, je ne peux pas le connaître. Donc je vais peut-être remettre la TH. Ou pas. On va voir si j'y arrive. Peut-être que voilà. Quand je vais voir qu'il va en avoir un manque, on va faire tout en vue extérieure, comme ça sera plus facile. Pour moi. Pour vous, ça change pas grand chose. Je pense pas. Voilà. Et hop, on y repart. Ah, par contre, là, j'ai fait une ratée. Il va falloir sûrement. Ouais, je dis rien parce que je le répète tous les jours en live pour que je fasse le truc pour mon volant, mais j'ai toujours pas fait. Ça. Ah, c'est plein. Vous voyez, j'ai pas besoin de la TH. On le sait tout de suite. Non, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de bip. Ou alors, le son du bip est trop faible pour moi. Donc voilà, on va décharger la botte. On va les regrouper par deux. Vous voyez ? Là, elle va se toucher. Eh oui, je n'ai pas avancé assez. Et j'espère qu'elle ne va pas aller trop loin. Stop, la botte. Bon, je la récupérerai après. Donc voilà. Donc on va se faire un petit accéléré ensuite. Et puis on se retrouve à la fin du chantier, les amis. A tout à l'heure. J'ai fini les amis, on va aller voir la ferme pour récupérer le manuscopique, le ramener au champ et après ramener le tracteur et la remorque pour le avec le plateau, bien sûr la remorque plateau. Oh. Et si j'ai une question à vous poser les amis agriculteurs et ouvriers agricoles, est-ce que presser avec une presse enrubanée, presser de la paille et la couper par deux, c'est possible? Alors, je compte sur vous dans l'espace commentaire pour me éclairer, là, pour éclairer ma lanterne. Donc voilà. Alors, on va, je pense, mettre ça à l'endroit ou à l'envers. Non, allez, tester, bien sûr, station de lavage. Voilà. Lavage et on va voir ça de suite. On va la porte, bien sûr. On va prendre. Merde.
appuyer sur la mauvaise touche. Et je peux pas. Mais merde, encore une fois. Bon, on verra ça plus tard. Non, parce que comme j'ai pas la TH d'activer, eh ben, je ne vois pas exactement ce que je fais. Donc, on va emmener le plateau et comment et le chariot ensuite. Alors, ça marche vraiment. J'ai un problème. Pourquoi il veut pas avancer maintenant? Décidément, je crois que c'est les... Attendez, je vais descendre. Parce que là, le problème, j'ai un bug. On va tester avec le menu scopique. Voilà, c'est depuis que j'ai mis la troisième personne. Ah voilà, ça marche. Marche arrière, ça fonctionne. À moins que ce soit le véhicule. Hein. Le 2, on va réessayer tout à l'heure, mais c'est possible. Je sais qu'un mode... ça arrive, on changera le tracteur. On en enlèvera un. Et qu'on mettra, au lieu d'avoir un vieux, on mettra un plus récent. Alors, faut pas que je me trompe parce que j'ai l'habitude de me tromper, même sur ma main. C'est quelque chose. Tout est possible la preuve. Donc, on va ramener ça là. Là, on est arrivé dans le champ. Et je me suis pas trompé. Oh la vache! Oh la vache! C'est pas bon. D'ailleurs, si je me trompais quand même, c'est grave. Hein. Voilà. On va l'éteindre. On va aller essayer de récupérer le tracteur. Non, descendre. Je suis dans le compresseur. Et on va voir s'il fonctionne ce coup-ci. Sinon, bah, il faudra que je le change. C'est possible ça. Et si je fais ça, ah non. Ah si. Ah bah non. Ouais, j'ai un conflit avec ce mode. Bon bah voilà, je sais ce qu'il me reste à faire. Donc voilà les amis, pour aujourd'hui on va s'arrêter là parce que j'ai pas d'autre tracteur sous la main. Si j'ai mon petit pétapune, mais il va pas être assez fort. Donc j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas dans l'espace commentaire à dire ce que vous voulez. Si on passe en mode saison ou pas, si avec mes potes, après sans rubaner c'est réaliste. Et puis si je dois passer en mode saison ou pas, à vous de choisir. Et qu'est-ce que vous pensez bien sûr de la ferme aménagée comme je l'ai aménagée. Donc voilà, à très bientôt les amis, et un grand merci à vous pour le soutien. Et n'oubliez pas les pouces et abonnez-vous bien sûr. Allez, à très bientôt.